7. Et c'est parti pour le numéro 7. Avec un poulain qui jette la jambe là. On va suivre de très très près car il est parti sur le bon tempo. C'est le 36, c'est l'étoile passe. Dans son sillage, l'armada Louis Baudron. Une partie d'entre elles, en tout cas deux des trois représentants de Louis Baudron qui sont dans son sillage. Et un petit peu plus loin, on retrouve Lowell Hates par Captain Crazy. Dynamique et volontaire, l'étoile passe à l'avantage. Doté d'un modèle un petit peu différent, voire très différent, le 70, la Bombonera se rapproche facilement à son extérieur. Alors que le 71 est dans le coup, c'est l'Agvat. On va écouter le passage au kilomètre. À titre indicatif et pour le premier dans ce peloton de 2 ans, une 18-8 au 1000 mètres. C'est propre, c'est sérieux, ça marche bien. 18-8 pour les premiers. Donc là, les 7 sont dans le coup. Les 7 qu'on a à l'image sont dans le coup. Toujours l'avantage pour l'étoile passe, qui contrôle pour l'instant la Bombonera qui vient à son extérieur et qui elle-même contrôle le fait de se qualifier, puisque ça reste bien l'objectif principal, voire unique. L'Agvat se rapproche également. Pour offrir peut-être un total ou presque total succès pour Louis Baudron. Entre ligne droite, l'étoile passe résiste à l'avantage de la corde et maintient bien son effort jusqu'au bout, mais ne peut rien finalement face à la Bombonera qui, dotée d'un modèle. Assez plaisant quand même. Elle a une ouverture dans la couleur notamment qui tient vraiment la route. S'impose facilement avec Gwen Juno dans le sulky. Étoile passe deuxième et puis l'Agvat. Plus pas mal. Est-il à quelqu'un? On prière de le ramasser s'il vous plaît. Huitième peloton en piste, peloton de requalification en piste. Je sais pas. Très bien entendu l'annonce. Quelqu'un qui a perdu quelque chose, apparemment. C'est pas, c'est peut-être Seb. Voilà. Bon, en tout cas, la Bombonera, elle a une, elle a l'allure. Hein. Ouh là là, elle est belle, hein, la fille d'El Villaggio et Una Bella Dolce. C'est pas ton chien, Fabien, qu'on a perdu? Ah, c'est un chien. Non, c'est bien ce que j'ai entendu. Il y a, voilà. Il y a un chien, c'est un chihuahua un qu'on a perdu. Ah, je sais pas ce que c'est comme la race, mais on, il y a un chien en liberté sur l'hippodrome. Ah, moi, je pense qu'un chien en liberté le matin au calife, c'est forcément un chihuahua. Bon, on prend les paris, je te suis en courant. Et les autres sont... Ouais, alors si on peut avoir Louis, c'est plus intéressant. Hein. Je pense aussi, on est d'accord. Elle a l'allure, hein, elle est belle, hein, ouais, enfin, de ce que bien. J'ai vu. Moi, je suis à distance, mais non, elle a une encolure. Ouais, très plaisante. Il y a très un taureau. Hein. Ah, très plaisante. Tu as vu la Bombonera, Seb, ou pas? Oui, c'est ce que je te disais, très plaisante. Non, non, mais sinon, la Ah, le film. La vraie. Je crois, mais je ne suis pas sûr. Pas très bon, c'est pas très grand cinéphile, mais je crois. Ça me dit quelque chose. Et quand elle a dansé, sûrement pas. C'est le stade de Buenos Aires, en ah Argentine. C'est le stade de Boca Juniors. Ah oui, bien sûr, évidemment. Eh bien, donc, T'es passé à côté. Mais loin, assez loin. À loin même. D'accord, c'est pour ça. Bon, en tout cas, elle est belle, hein. Elle dégage une puissance un peu comme le stade. Écoutez le chrono. Et vous allez voir presque automatiquement le petit check va se mettre en face du nom du cheval. Dans ce septième peloton. 7 chevaux sont retenus. Le numéro 70, une 17-7. Le 36, une 18-1.
Le 71, une 18-6. Le 72, une 19-5. Le 51, une 19-7. Le 76, une 22. Et le 73, une 25. 7 chevaux de retenue. C'est beau, 7 chevaux de retenue donc dans ce lot numéro 7. Une 17-7. Le 36, une 18-1. Le 71, une 18-6. Le 72, une 19-5. Le 51, une 19-7. Le 76, une 22. Et le 73, une 25. 7 chevaux de retenue. Voilà, plein de check vert partout, presque, dans ce lot qui donc a été très porteur pour ces jeunes recrues. Et la lauréate s'appelle la Bombonera, donc comme le nom du stade de Boca Junior à Buenos Aires en Argentine.